Frères et sœurs humains, salutations fraternelles. Ça fait un moment que je ne fais pas de vidéo, mais aujourd'hui je voudrais vous montrer ceci. On est dans la cour d'un sanctuaire et ici il y a une entrée. Je ne sais pas si j'ai le droit de filmer, mais je vois nulle part l'interdiction de le faire. Petite entrée comme ceci. Et à l'intérieur, c'est vraiment magnifique. On peut voir d'ailleurs de l'intérieur les gens qui font leur prière. Depuis l'intérieur, je veux dire, les gens qui font leur prière, comme ceci. Avec le plafond magnifique. Et puis, ici, regardez comme c'est beau. Le serpent et la tortue. Ici, le tigre est vraiment sublime. Là-bas derrière, l'autel, qui est aussi très très beau. Des espèces de chaussures du prêtre pour pouvoir rentrer ici. Ça aussi, c'est magnifique. Là-bas, des offrandes, beaucoup de bouteilles de saké, d'alcool japonais comme ceci. Très beau. Et puis de l'autre côté ici, on a le coq, je pense, qui est aussi très beau. Et là, évidemment, le dragon, magnifique. Et puis derrière, je pense que ce sont encore des offrandes et ces espèces de containers ici. Ce sont des containers à saké. Je vais essayer de peut-être voilà, filmer ça de l'autre côté. Voilà, c'est beaucoup plus beau comme ça. J'adore ces containers à saké. Ils sont vraiment magnifiques. Et j'aimerais bien en avoir un à la maison comme élément de décoration. Un peu comme on voit là. Vraiment le détail de des illustrations dessus. C'est trop trop beau, j'adore. Comme ça aussi là, ce détail. Voilà, voilà. C'est beau, n'est-ce pas? Donc, je sors du lieu. Je fais quelques pas ici. Tadam! Regardez-moi ça. Il y a souvent des camphriers quasiment systématiquement dans les sanctuaires. Avec le vent qu'il y a, je ne sais pas si vous m'entendez bien, c'est le typhon qui passe au loin des côtes. Je pense qu'il a dépassé Osaka maintenant. On est tranquille.